président de l'association Ouest-Est. Il est auteur du chaos ukrainien. Comment en est-on arrivé là? Comment en sortir? Et puis aussi l'auteur de l'Amérique Empire dans une version, deuxième édition. C'est une version mise à jour et augmentée. Nicolas Mirkovitch, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur TV Liberté. Il y a un an, au même endroit, vous indiquiez « Ces hommes politiques ne connaissent pas le mot « paix » et surtout, ils n'ont pas connu la guerre comme les anciens. Ils n'utilisent jamais le mot « paix ». Ils veulent engager la France dans une guerre avec la Russie, mais ils n'ont jamais connu la guerre. » C'est Emmanuel Macron. Que dire de ces dernières déclarations pour le moins belliqueuses ? Le manque de raison, la façon dont ça a été dit comme ça, engager la France sur un sujet aussi grave que la guerre, sans en avoir débattu au Parlement, évidemment, sans en avoir parlé aux Français, dans le contexte actuel, est quelque chose qui est particulièrement inquiétant. Il annonce la possibilité, l'éventualité, la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, dans une zone de guerre où il y a déjà des soldats, je pense même français, en tout cas de l'OTAN, qui sont sur place pour différentes opérations. Le Financial Times l'a encore rappelé l'autre jour. Mais aller de manière aussi concrète, dire on est prêt à, on veut tellement faire du mal à la Russie qu'on est prêt à mettre des hommes, à sacrifier nos jeunes, sortir cette phrase-là est quelque chose de particulièrement inquiétant parce que pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Quels sont les intérêts de la France en Ukraine aujourd'hui? On y reviendra certainement tout à l'heure, mais si on est des justiciers du monde, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas des troupes également au Moyen-Orient? Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas, quand il y avait la guerre entre le Yémen et les Houthis et l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce que c'est que cette vision? On va envoyer des soldats au sol, ce n'est pas notre guerre. On y est, en tout cas pour les Français, pour le peuple français, on ne comprend pas les intérêts. Il sort ça à la cantonade, comme il aurait pu sortir n'importe quelle chose. Et c'est particulièrement inquiétant parce qu'il engage le peuple français dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Et en plus, qu'est-ce qu'on ferait exactement? Quels moyens? On sait que l'armée française n'a plus du tout les moyens d'avant. Donc on va envoyer des soldats français qui vont apprendre à se battre dans des tranchées que nous ne connaissons quasiment plus depuis la Première Guerre mondiale. Donc c'est les soldats ukrainiens qui sont en train de perdre contre les Russes actuellement, qui vont former les soldats français à se battre pour cette guerre d'attrition, cette guerre de tranchées. C'est complètement ridicule. Et je plains les pauvres soldats français qui, en entendant cette phrase, ont dû se dire « mais on ne peut pas aller se battre là-bas. On n'est pas formé. Qu'est-ce qu'on va y faire ?» Et puis je pense qu'ils ne sont pas rentrés dans l'armée française pour ce type de mission. Donc c'est particulièrement inquiétant qu'un président de la République prenne avec autant de légèreté un sujet aussi grave. Est-ce que vous pensez, comme Dominique de Villepin, que la France est en train de perdre la bataille diplomatique mondiale? Oui. Aujourd'hui, n'oublions pas, la racine de cette guerre, quelle est-elle? C'est extrêmement important de le rappeler régulièrement. Les États-Unis ne veulent pas que la Russie et l'Europe de l'Ouest, pas forcément sunnistes, mais collaborent, travaillent ensemble. Parce que si l'Europe de l'Ouest et la Russie est une grande puissance, on voit même technologique, militaire, une grande puissance qui a des ressources naturelles à foison énormément, on pourrait mieux travailler ensemble. Et si on travaille mieux ensemble entre l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, la Russie, eh bien, sur ce continent, qui a une civilisation commune, qui a une histoire commune, nous connaissons bien, nous n'aurions plus besoin des États-Unis, ou moins besoin des États-Unis. Et les Américains ont peur de ça. Pour eux, en tout cas pour ceux qui sont au pouvoir depuis ces dernières générations, nous sommes un protectorat. C'est ce que dit Zbigniew Brzezinski dans le Grand Échiquier. Nous sommes un territoire qui est de consommateurs prêts à acheter du matériel informatique, des idées, des vidéos, des films américains. Notre société est en train de s'américaniser au profit de grandes multinationales américaines et, on va dire, des politiques américains qui sont dans leur projet de mondialisation. Ça, c'est l'origine de cette guerre contre la Russie. Et on suit aveuglément la politique américaine. Donc Emmanuel Macron ne fait que répéter ce que dit Joe Biden. Il n'y a plus de diplomatie à partir du moment où un État soumet sa souveraineté à un autre État. L'intelligence de la France ou l'intelligence de n'importe quel pays européen est d'abord de chercher la paix. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une guerre, parce que cette guerre, en effet, si elle dérape, elle va happer, elle va tuer nos propres enfants. Elle est déjà en train de faire beaucoup de mal à nos économies, elle va faire du mal à nos peuples. Et qu'est-ce qui restera de l'Europe après, si on retourne dans une guerre mondiale qui a déjà fait beaucoup de mal? Enfin, la première et la deuxième ont déjà fait beaucoup de mal. La troisième sera terrible pour nous. Ce n'est pas notre intérêt. La diplomatie française, l'intelligence, c'était de discuter directement avec Poutine, c'était de discuter avec Zelensky, c'était de faire une coalition, on peut dire mondiale, pas forcément européenne, pour essayer de revenir à la paix. On sait qu'il y a eu des discours entre Ukrainiens et Russes au tout début de l'invasion russe en 2022. Qui a organisé ces négociations? Les Turcs. Les Turcs
Et ils ont très bien fait, et on doit les féliciter. Pas un peuple européen a cherché à faire la paix entre deux peuples slaves, frères, majoritairement orthodoxes. C'est une honte. Donc, on a sabordé notre diplomatie, mais Emmanuel Macron n'arrête pas de la saborder, parce que c'est un atlantiste. Et comme tous les atlantistes qui sont aujourd'hui à la tête de pays de l'Union européenne, ils pensent que c'est les Américains qui doivent gouverner les choses du monde. C'est de la servitude volontaire de la Boétie appliquée à des États. Et donc, évidemment, cela se fait, in fine, toujours à notre détriment. Alors, il y a un fait important que je vous soumets, Nicolas Mirkovitch, c'est la réponse à la proposition d'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Cette option n'a trouvé aucun écho favorable, en fait, de l'autre côté en Europe, mais aussi de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et Joe Biden estime, tout comme l'OTAN, que le chemin de la victoire, je le cite, ne passe pas par l'envoi sur le terrain en Ukraine de troupes, les USA et l'OTAN. Donc, à la limite, sur le papier, plus raisonnable que la France. Oui. Oui, et c'est ce qui est aussi inquiétant dans le comportement de Macron, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une discussion. Alors déjà, il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'on a rassemblé la communauté internationale à Paris pour parler de la guerre en Ukraine, hein, pas de la paix en Ukraine, je pense que c'est extrêmement important de le souligner. Cette communauté internationale, c'est une vingtaine de pays, des pays membres de l'OTAN en Europe, plus des émissaires du Canada et des États-Unis. Macron sort de cette réunion en disant il faut pas, on a discuté entre nous et puis il ne faut pas exclure la possibilité d'envoyer des troupes au sol. Et tout de suite après, où l'on a Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui dit non, on ne veut pas ça. Joe Biden qui dit non, ce n'est pas la solution. La Grèce, qui n'est pas une grande puissance militaire, dit non, surtout pas, on ne veut pas envoyer des hommes au sol. Quand Macron sort ça, quels sont les intérêts qu'il est en train de défendre? Au nom de qui parle-t-il? Parce que visiblement, il ne parle pas au nom du peuple français. Nous ne voulons pas de guerre. On l'a bien vu très, très rapidement, de gauche, des mouvements de gauche, de droite, peut-être un peu moins du centre, mais étaient vraiment contre, sont contre cette proposition. Les alliés de Macron sont contre également. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est cette idée qu'il fait flotter comme ça? C'est extrêmement dangereux. On dirait qu'il joue un peu l'espèce de poker monteur face à la Russie, qui joue aux échecs. Donc, ça ne peut absolument pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Et c'est doublement inquiétant. Et on voit également les fissures qui existent dans l'OTAN, au sein du camp atlantiste. Ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas de stratégie. Les Américains nous ont donné une patate chaude. Ils ont dit « débrouillez-vous, on a déclenché cette guerre ». Et comme les Américains ont fait au Vietnam, en Irak, en Libye, en Yougoslavie, ils sèment la zizanie, et puis après, ils finissent par partir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont les élections présidentielles cette année et que le sujet de l'Ukraine fait beaucoup de mal à Biden. Les républicains aujourd'hui sont majoritairement contre. Trump dit que lui, il pourrait régler le problème. Ça coûte des milliards de dollars que les Américains ne sont pas en train de dépenser pour en faire leur route, pour leur système social, pour le système éducatif. Cet argent qui part dans une espèce de tonneau des Danaïdes en Ukraine manque à l'économie américaine. Donc les Américains disent « Attendez, nous, on va faire une parenthèse. » Je ne pense pas qu'ils vont abandonner complètement. Ils disent aux Européens « Débrouillez-vous. » Et les Européens, ils sont tout seuls avec cette patate chaude et ils ne sont pas alignés, ils n'ont pas de stratégie, ils ne savent pas quoi faire. Ça, c'est extrêmement dangereux et ça montre à quel point l'Union européenne, l'OTAN sont des systèmes, je pense, surannés, qui ne répondent pas à la situation d'aujourd'hui et qui, aujourd'hui, risquent, en revanche, par leur ineptie, par leur méconnaissance du terrain, par le fait qu'ils soient vraiment tellement déconnectés de la réalité, de nous entraîner dans un processus qui serait irréversible et qui serait mortel pour nous. Est-ce qu'on peut parler de désunion des atlantistes, maintenant? Oui, clairement. Regardez au sein de l'OTAN, on a la Hongrie qui fait tout pour ne pas appliquer de sanctions contre la Russie, la Turquie, qui fait partie, qui est la deuxième plus grosse armée de l'OTAN en termes de soldats, et qui continue de faire du commerce, qui achète des centrales nucléaires à la Russie, qui essayait notamment de mettre les Slaves ukrainiens et russes autour de la table pour négocier. On a Emmanuel Macron qui tient un discours qui est contredit le lendemain par Olaf Scholz. Ce monde atlantiste est désuni. Et ils ne savent plus quoi faire. Et c'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'à la rigueur, quand on est dirigé par des personnes qui ont une idée, on peut ne pas être d'accord, mais on se dit, bon, ils ont une idée, peut-être qu'elle peut être raisonnable ou pas, mais en tout cas, travailler, argumenter. Là, on a la tête de nos pays, des personnes qui n'arrivent pas à s'accorder, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas de stratégie. C'est extrêmement dangereux. On est en train de foncer dans un mur, on est en train de parler d'une guerre, on n'est pas en train de parler de la couleur, du logo, des Jeux Olympiques de je ne sais pas quelle année. On est en train de parler d'une guerre et on a au sein de la communauté atlantiste une très forte désunion et qui ne va cesser de je pense qu'il va s'aggraver avec le. Enfin, pas qu'il va s'aggraver, qu'il va s'améliorer peut-être, mais qui ne cessera de progresser. Parce qu'au bout d'un moment, les pays vont commencer à chercher leur propre intérêt. Et quel est l'intérêt des Hongrois de rester dans une organisation qui leur dit que oui, ils vont envoyer leurs jeunes mourir pour Kramatorsk ou surtout pour les déboires du fils de Joe Biden. Donc ça, c'est la communauté atlantiste est divisée malgré les discours de oui, cette situation nous a permis de nous retrouver. C'est faux.
Et je ne parle même pas de ce qui se passe derrière les rideaux. La France, qui est un grand exportateur d'armes, se fait damer le pion au sein même de l'OTAN. Alors ça, Macron, il n'en parle pas. On ne vend plus nos rafales à des pays membres de l'OTAN. On ne vend plus nos fusils. Et ce sont des Américains qui sont en train de vendre. Donc les Américains ont un circuit où ils injectent de l'argent en Ukraine, mais cet argent revient dans le complexe militaire ou industriel américain, qui est en train qui s'est débarrassé de ses anciens stocks et qui est en train de refaire des nouvelles armes. Et nous sommes de nouveau les dindons de la farce. On n'en profite même pas, puisque nos armes, on les vend en Inde, on les vend dans différents pays du monde, pas à des pays membres de l'OTAN. Mais c'est extrêmement frustrant pour des Français. Donc cette famille n'est pas une famille, elle est complètement désunie, et je pense qu'il est temps d'en sortir, parce qu'elle risque vraiment de nous entraîner, par son incurie, par son injustice, de nous entraîner dans une guerre qui pourrait être vraiment catastrophique pour nous tous, et pas du tout dans l'intérêt ni des Français ni des Européens, d'aucun Européen, quel que soit son camp. Donc cette défaillance de l'OTAN est mise en lumière par ces propos de chefs de gouvernement qui se contredisent et qui cherchent aussi leurs propres intérêts. On évoque à l'instant le désengagement des États-Unis, mais il y a un an, vous affirmiez que les États-Unis nous entraînaient dans le piège de Thucydide. C'est une vidéo qui a été regardée 1 million de fois, 997 000. On y est précisément, on y est presque. Et qu'on peut retrouver bien évidemment sur TV Liberté, sur YouTube. C'est-à-dire, ce piège de Thucydide, c'est-à-dire un moment où une puissance dominante entre en guerre avec une puissance émergente en raison de la peur suscitée par cette montée en puissance. Est-ce que c'est encore le cas ? Oui, c'est encore le cas, et cette formule qui avait été développée par Graham Allison, je pense que c'est toujours exact, parce que les États-Unis veulent quand même affaiblir la Russie. C'est ce que je disais il y a quelques instants, leur objectif c'est ça. S'ils envoient le protectorat le faire, eh bien ils envoient le protectorat, ils ont peur de la montée de la Russie, donc du coup ils veulent affaiblir la Russie, et c'est nous qui nous retrouvons à nous battre pour une guerre voulue par les Américains. N'oublions pas juste le New York Times il y a encore quelques jours, expliquait que tout de suite après le coup d'État du Maïdan en 2014, la CIA était en Ukraine et, bien avant l'invasion russe, a monté une douzaine de bases sur la frontière russe où ils espionnaient tout, ils récupéraient toutes les informations de la Russie et ils étaient en train de transformer l'Ukraine en pays anti-russe. Donc, dans ce piège de Thucydide, les Américains veulent quand même affaiblir la Russie. Le problème des États-Unis aujourd'hui, c'est qu'ils ont cru, je pense, que vaincre les Russes allait être très simple. Ils étaient déconnectés, comme le sont une bonne partie de nos élites atlantistes aujourd'hui, en tout cas de la caste dirigeante atlantiste. Ils ont sous-estimé, ils sont hors sol, ils sont déconnectés de la réalité. Ils n'ont pas vu que la Russie allait pouvoir contourner les sanctions. Ils n'ont pas vu que la Russie avait des armes qui impressionnent les experts militaires occidentaux sur place. Ils n'ont pas vu ça. Et en même temps, depuis octobre dernier, les Américains sont, on va dire, plus qu'acteurs dans la crise du Moyen-Orient, entre Palestiniens et Israéliens. Donc c'est une espèce de piège qui peut se refermer contre eux, parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait arriver, ou ils ne l'avaient peut-être pas imaginé, sachant que le véritable rival des États-Unis, il ne vient pas du Moyen-Orient, il ne vient pas de Russie, il vient de Chine, qui regarde tout ça de loin, qui aujourd'hui ne dépense pas des milliards dans la guerre, n'est pas en train de perdre des hommes, n'est pas en train de se décrédibiliser sur la scène internationale. Elle a plutôt une posture, on va dire, raisonnable et diplomate par rapport à ces différentes crises. Et les Américains sont en train de se faire avoir à leur propre jeu. Je pense que dans ce piège de Thucydide, ils ont cru qu'il fallait attaquer en premier, mais parce qu'ils n'ont pas bien fait leur calcul, parce qu'ils n'ont pas bien fait leur renseignement, parce qu'ils ne comprennent pas la réalité de cette espèce de changement du monde vers une ère peut-être multipolaire, eh bien, ce piège se referme contre eux. Donc, avant même qu'ils aient attaqué le gros rival, qu'est la Chine. Et qu'est-ce qu'il faut penser quand même de la récente déclaration? C'était le 29 février de Vladimir Poutine, discours à la nation. Notre patrie défend sa souveraineté et défend ses citoyens de la Novorussia, la nouvelle Russie. La presse française y voit un concept géopolitique impérial, impérialiste. Oui. Alors, oui, certainement. Il y a un côté, je pense, impérial, puisque ce sont les termes employés par Catherine II qui avait récupéré ces territoires, non pas sur d'autres Slaves, non pas sur les Ukrainiens, mais sur les Tatars. Les avait récupérés sur les Tatars et qui a développé. C'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire de la région. Et ça, malheureusement, on ne le fait plus à l'école, les médias dominants ne le font pas. Toute cette région qui a été prise aux Tatars a été ensuite occupée, développée par des Russes. Donc des villes comme qui s'appelle Dnipro aujourd'hui, qui est une ville qui est tenue par l'armée ukrainienne, elle s'appelait à l'origine Yekaterinoslav, en l'honneur de Catherine II. Odessa a été construite par des Russes. Donetsk, Lugansk, Kramatorsk, c'est des villes qui ont été construites
par les Russes. Historiquement, elles ont des racines russes, qu'on le veuille ou pas. Elles se trouvent peut-être en Ukraine, elles se sont retrouvées à un moment par des vicissitudes de l'histoire et pas par des arrangements entre soviétiques d'abord et puis après à l'éclatement de ce pays. Mais ce sont des pays où des personnes ont une identité russe. Et je pense que le message... Alors, évidemment, on aurait pu espérer qu'on évite la guerre, que ces personnes gardent leur identité russe. Mais n'oublions pas qu'après le coup d'État du Maïdan, l'arrivée des États-Unis, ils ont mis en place un pouvoir qui était radicalement anti-russe, avec des militants qui promettaient d'interdire la langue russe, qui ne donnait pas, qui ne faisait pas respecter les droits de l'homme qu'on aime bien faire respecter partout, à cette population russophone qui est nombreuse en Ukraine. Et n'oublions pas que la langue russe était, jusqu'à il y a encore quelques années, vraiment la lingua franca de l'Ukraine. Donc ces personnes ont eu peur. Sur place, vous avez des personnes qui sont très attachées à la région, qui peuvent même se dire ukrainiennes, mais qui veulent être plus, qui se sentent plus proches de la Russie parce qu'elles ont une histoire, une culture. Elles parlent russe, elles lisent le russe. Et voir en face un pouvoir qui déboulonne des statues de Pouchkine, qui veut interdire Tchaïkovski, c'est ridicule. Donc quand il emploie ce terme-là, je pense qu'il y a un message qui est important, c'est que la Novorossiya, c'est plus important que les territoires que la Russie a récupérés aujourd'hui. Ça va aller quasiment jusqu'à la Transnistrie. Ça va aller jusqu'à cette fameuse Dnipropetrovsk à l'époque de l'URSS. Donc ça veut dire qu'il part de cette zone russophone, russe. Et ça veut dire aussi, c'est un message pour dire qu'il va aller au-delà des territoires qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il veut, pour des personnes majoritaires, je pense, dans ces régions, elles se sentent plus proches de la Russie, en tout cas de Moscou, que de Kiev de Zelensky. On est passé du chaos ukrainien directement à l'Amérique Empire, parce qu'on va évoquer maintenant, dans cette dernière partie d'entretien, les États-Unis, et on va s'arrêter sur les primaires républicaines, c'est les dernières en date, et démocrates d'ailleurs, en vue de la présidentielle de fin d'année. Elles viennent de se dérouler dans l'État du Michigan. Joe Biden et Donald Trump ont fait chacun de leur côté un triomphe, et pourtant, il y a des menaces et des nuances à apporter à ces victoires. Dans le cas de Joe Biden, il est apparu par exemple la menace du vote sans engagement, c'est-à-dire le vote blanc, un vote blanc en forme de vote de rejet sur la part de l'influente communauté musulmane aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est un signe inquiétant pour Joe Biden ? Joe Biden a des problèmes avec sa base. La solution, enfin ce que font les États-Unis actuellement, en étant à la fois juge et belligérant aux côtés d'Israël, frustre une partie de la base qui est très à gauche de Joe Biden, les communautés musulmanes des États-Unis, mais aussi une partie de des Américains qui sont très pro-palestiniens et qui traditionnellement voté démocrate, sont très frustrés par ce que fait Joe Biden, qui à la fois veut trouver, qui dit officiellement qu'il veut deux États, mais qui veut la paix au Moyen-Orient, en tout cas dans la région entre Israéliens et Palestiniens, mais qui donne des armes aux Israéliens. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu par une partie de la base démocrate. Pour l'instant, il a un autre candidat qui est en face de lui, qui est un faire-valoir. Normalement, s'il continue comme ça, il ne peut pas perdre. On ne voit pas comment est-ce qu'il pourrait perdre les différents représentants dont il a besoin s'il arrive à aller jusqu'au bout l'été prochain pour être le prochain candidat. Mais on voit qu'il est attaqué. Il est attaqué par les Républicains, il est attaqué par Trump. Et là, maintenant, on voit qu'il y a des divisions au sein de son propre camp. Donc, il n'arrive pas fort, il arrive affaibli, d'autant plus que sa présidence est une mauvaise présidence. La situation américaine n'est pas bonne. Il y a une inflation qui a été terrible. Il y a eu la guerre en Russie, la guerre au Moyen-Orient. Il y a la situation, on va dire, les États-Unis qui perdent la face. Enfin, c'est quand même la Chine qui met les Saoudiens et les Iraniens autour de la table qui arrivent à trouver un accord. Donc la posture des États-Unis sur la scène internationale s'est affaissée, enfin s'est affaiblie. Et aux États-Unis, la situation économique n'est pas bonne, la situation des infrastructures n'est pas bonne non plus. Et en plus, Biden a une base qui le rejette, ce qu'il fait et qui le démontre. Donc je pense que lui, il va vraiment falloir qu'il trouve des arguments très très forts pour motiver les Américains pour aller voter pour lui lors des prochaines élections, si c'est lui qui, s'il arrive, parce que tout est possible aux États-Unis, quoi. S'il arrive à être le candidat. Et dans le Michigan, donc, communauté musulmane qui vote blanc, c'est un État dans lequel la communauté musulmane est importante, et avec un rappel, puisqu'il y avait 64% de la communauté musulmane qui avait voté pour Biden en 2020. Oui. On dit même que c'est cette population-là qui avait fait la différence avec Donald Trump. Et le Michigan fait partie de ces États qui peuvent, en effet, c'est une très bonne remarque, peuvent faire basculer le nombre de grands électeurs nécessaires dans un camp ou en l'autre. On a bien vu qu'aux dernières élections, ça s'est joué à quelques États.
Alors, autre chose plus rapide, mais enfin néanmoins essentielle, c'est l'état de santé de Joe Biden. Kevin O'Connor, qui est le médecin de la Maison Blanche, a publié le bulletin de santé du président américain, c'était le 28 février. Il a déclaré Joe Biden apte à exercer ses fonctions et à assurer pleinement toutes ses responsabilités sans aucune dispense ou aménagement. Le président est un homme âgé de 81 ans et est en bonne santé, actif et solide. Je cite toujours, bien évidemment, donc fermez le banc et fin des fausses rumeurs. Oui, fin des fausses rumeurs. Il n'y a pas une semaine qui n'ait pas une vidéo, un discours de Joe Biden où il ne sait pas à qui il s'adresse, il ne connaît pas le sujet, il ne sait pas dans quelle direction aller. Il disait qu'il y a récemment, il parlait avec François Mitterrand, le chancelier allemand. Donc clairement, il est très fatigué. Il y a des spécialistes qui ont je pense, une analyse plus fine que la mienne, mais je ne comprends pas que les démocrates représentent Joe Biden. Il y a plein de candidats chez les démocrates, comme Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, d'autres gouverneurs qui pourraient être candidats des démocrates. Pourquoi est-ce qu'ils s'échinent à présenter cette personne qui est visiblement très fatiguée, qui ne possède pas toutes ses facultés mentales, ça c'est clair et net. Et qui donne. Le président américain a déclaré, les médecins pensent que j'ai l'air trop jeune. Oui, certainement. Ça, il nous a dit aussi que c'était grâce aux ébats avec sa femme qui maintenait cette jeunesse. Enfin, ce genre de propos que l'on se demande, il est temps qu'il prenne sa retraite. Et à moins que. Donc, il n'aille pas jusqu'au bout. De votre point de vue, il va être exfiltré à un moment donné, il va être remplacé. Le vice-président, bien sûr. Peut-être que l'idée à la base, c'était de mettre Kamala Harris. Les Américains ou les démocrates se s'étaient dit, Biden ne va pas jusqu'au bout. Et puis, c'est un excellent tremplin pour Kamala Harris, qui n'aurait peut-être pas eu tous les suffrages si elle avait été candidate. Mais visiblement, c'est pas une bonne vice-présidente. Elle est plutôt rejetée par les Américains. Enfin, elle n'a pas une super cote de popularité. Pourquoi présenter cette personne-là qui est extrêmement influençable, Joe Biden ne dirige pas les États-Unis. C'est parce que ceux qui dirigent se satisfont de cette situation, non ? Certainement. Et le fait que Joe Biden, je pense, va signer n'importe quel papier qu'on lui donne, ou presque n'importe quel papier, et l'influence qu'il y a autour de lui, de néoconservateurs qui ont une idéologie, une stratégie bien à eux, et qui sont dans l'État profond américain, qui sont dans les arcanes de Washington depuis assez longtemps, c'est peut-être en effet très pratique pour eux d'avoir un président qui sucre un peu les fraises, qui lit pas tous les documents, qui fait confiance, qui signe sans regarder. C'est aussi inquiétant. Pourquoi garder un homme comme ça? Quel est le type d'ordre qu'on va lui demander de déclencher, ou quel est le type de document qu'on va lui demander de signer où on se dit, bon voilà, il va pas tout à fait comprendre, mais on s'en fiche, parce si on avait quelqu'un de sensé au pouvoir, cette personne pourrait le lire en disant, attendez, là, je veux faire beaucoup de choses, mais ça, je refuse, quoi. Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour les États-Unis, pour les Américains, et on se demande pourquoi ça? Clairement, il n'est pas à la hauteur de la tâche, surtout en ce moment où les États-Unis vont très mal. Voilà, c'était le titre d'un ouvrage, ces malades qui nous gouvernent. Oui. Donald Trump n'est pas à l'abri, lui, des problèmes, lui aussi, en dépit de son survol, des primaires républicaines. Est-ce que le premier problème, elle ne s'appelle pas Nikki Haley, parce que la républicaine, elle, enchaîne les défaites et les défections, mais elle recueille toujours, premièrement, elle est toujours candidate, oui. Deuxièmement, elle recueille un tiers des votes républicains. C'est oui. Pas rien. Non, c'est pas rien du tout. Trump, il est quand même largement devant, je pense qu'il a le double pour le début, on est au début des primaires, mais il a, je pense, le double de représentants qu'elle. Pourtant, elle est là. Je pense qu'elle compte pas mal sur la justice américaine qui vraiment a fait de Donald Trump, enfin la justice, à l'appel de gouverneurs, de démocrates, de différentes personnes, même de personnes financées par, comme un des procureurs de New York, financé par un mouvement qui lui-même est financé par Soros. Enfin, il y a une véritable cabale contre Donald Trump. Il est impliqué dans à peu près 6 procès en ce moment, et il y avait plus d'une centaine, quasiment une centaine de chefs d'accusation contre lui. C'est gigantesque. On l'attaque sur sa finance, on l'attaque sur les propos qu'il a tenus pendant les événements du 6 janvier, la prise du Capitole. Donc voilà, c'est marrant d'ailleurs, la prise du Maïdan, ça c'est démocratique, mais en Ukraine, mais la prise du Capitole aux US, ça c'est pas démocratique, ça c'est surtout antidémocratique. Donc on l'attaque sur tout un tas de sujets politiques, économiques, judiciaires, on l'accuse même d'avoir truquer les résultats des élections. Et donc, il va falloir qu'il se batte. Ça va l'épuiser, ça va l'éreinter, ça ne va pas donner une bonne image. Et je pense qu'il reste particulièrement populaire chez les Républicains. Mais si à la fin, il trébuche, et il pourrait aller en prison, c'est ça, sur certaines de ses accusations, si ça s'avérait, c'est que la justice tranchait et qu'il avait tort, ce qui est possible aussi. Trump n'est pas un saint. Mais s'il tombait, Nikki Haley serait quasiment la seule candidate en lice. Donc je pense qu'elle poursuit en attendant de voir quelle va être la situation de Trump. Et puis aux États-Unis, Trump, beaucoup de choses peuvent encore arriver, comme je le disais. Comment vous voyez la décision de la Cour suprême, la plus haute juridiction judiciaire américaine, qui va statuer, elle, sur l'immunité parlementaire de Donald Trump?
la presse américaine dit que c'est quand même quasiment une victoire pour Trump, une petite victoire pour Trump. Oui, parce que cette Cour suprême, alors Trump, il avait placé ses pions juste avant de quitter la place, et c'était plutôt malin de sa part. En effet, peut-être que ça pourrait le protéger. Si ça en arrive à la Cour suprême, on pense aujourd'hui qu'elle voterait plutôt en faveur de Trump. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif pour lui. Pour autant, il va falloir qu'il passe beaucoup de temps et dépense beaucoup d'argent sur ces procès qui veulent empêcher de se focaliser sur la campagne. En ayant dit ça, il fait vraiment pour l'instant une bonne campagne. On voit qu'il a des salles qui sont encore pleines. Les Américains sont très remontés. Ce sont les premiers à souffrir. Le monde souffre pas mal des décisions de Biden et des États-Unis. Mais il y a beaucoup d'Américains qui souffrent aussi, qui voient leur pouvoir d'achat diminuer, qui voient le prestige des États-Unis diminuer également, qui voient la fonction présidentielle américaine complètement usurpée par Joe Biden, et qui veulent un renouveau américain. Vous pensez que l'état moral des États-Unis est mauvais ? Ah, l'état est catastrophique. Vous savez, c'est extrêmement amusant. Je pense que les Américains ont pu contrôler le monde, en tout cas dominer le monde, peut-être pas le contrôler, mais dominer le monde, parce qu'à un moment, ils avaient un certain nombre de valeurs. Et les Américains, il y avait de la manipulation, il y avait de la mensonge à la tête du pouvoir américain, mais les Américains, à la fin, ils ont fini par entrer dans la Deuxième Guerre mondiale, avant ça, la Première. Ils étaient convaincus qu'ils avaient des valeurs. Il y avait une foi protestante majoritaire. D'ailleurs, Emmanuel Todd part de ça. Il dit, avant, les Américains avaient une espèce de foi qui les unissait. Et puis après, il a une foi avec des valeurs. Puis après, ils ont perdu la foi. Il y avait les valeurs. Et aujourd'hui, il n'y a même plus les valeurs. C'est ce qu'il appelle le degré zéro du protestantisme. Les Américains ne cessent de s'opposer entre eux. Ils sont complètement divisés. Il n'y a plus rien qui pourrait rassembler les Américains pour une grande guerre, un grand exercice militaire. Même si ça sert le complexe militaro-industriel, dire aux Américains, on va s'unir, comme ils ont pu le faire lors des deux dernières grandes guerres mondiales, dire aujourd'hui, on va s'unir et on va aller se battre pour Kramatorsk, on va aller se battre pour Taïwan. Mais il n'y a plus rien qui unit les Américains, et même les Américains qui auraient peut-être des valeurs de patriotisme, ils se diraient, mais ils ne croient plus ce message. C'est-à-dire que les Américains patriotes comprennent de plus en plus quel est le jeu de ce complexe militaro-industriel, mais ils veulent surtout régler le problème avec les Américains wokistes, cancel culture. Ces mondialistes qui ont pris le pouvoir aux États-Unis et qui ont globalement pris le pouvoir dans l'ensemble du monde occidental ont voulu détruire nos sociétés. Emmanuel Macron parlait de déconstruire l'histoire de France. Il disait qu'il n'y avait pas de culture française. Eh bien, quand vous appliquez ça, vous affaiblissez vos pays. Et Biden a fait ça. Donc le pays américain, il a payé le peuple américain. A perdu de ses valeurs. Le peuple américain est divisé. Aujourd'hui, il y a une immigration massive qui arrive. La loi devrait l'interdire. Les Américains s'opposent. Et donc, les Américains ne comprennent plus. Ils ne sont plus unis. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Que fait la loi? On n'est plus protégé. On n'a plus les mêmes valeurs. Et mon plus grand ennemi, si vous demandez à un Américain qui est son plus grand ennemi, il vous donnerait les noms d'autres Américains qui sont en train de saborder le système américain, qui sont en train de briser les piliers sur lesquels les États-Unis avaient été bâtis. Alors, il y a une partie qui est positive pour nous, parce qu'il faut que les États-Unis reviennent à une taille normal, mais c'est dans l'intérêt de personne qu'il y ait une guerre civile aux États-Unis, parce que ça reste quand même un moteur économique extrêmement important, avec des liens et des répercussions sur le monde entier. Mais cette division interaméricaine, la perte des valeurs des États-Unis, qui est en train d'irriguer le monde occidental, nous, est en train de nous détruire. Donc il est important qu'il y ait un sursaut rapide qui pourrait venir des États-Unis. J'aimerais bien qu'il vienne de la France, parce que je ne veux dépendre. On n'a pas à dépendre des États-Unis, comme on n'a pas à dépendre de la Russie, de la Chine, d'aucun autre pays. On doit être français, mais il doit y avoir un sursaut de ses propres valeurs, parce que ce sont des valeurs. Et en plus, là, en France, on a des valeurs chrétiennes qui sont. On a une des plus belles histoires de France, et à ces valeurs se sont agrégées des valeurs d'autres cultures qui sont extrêmement positives. Donc on a un socle. On a un socle sur lequel on peut pas dire quelque chose. Subir le wokisme et le cancel culture des États-Unis qui est en train de tuer la nation américaine peut avoir les mêmes conséquences chez nous. Donc je pense que les États-Unis n'ont plus les ressources morales pour mener le type de guerre et on va dire d'ingérence dans les autres pays comme ils ont pu l'avoir dans le passé. Mirkovic, merci beaucoup. On poursuit cette discussion à travers vos ouvrages, je le rappelle, Le chaos ukrainien et aussi cette nouvelle édition mise à jour, augmentée, rétablie avec les faits de 2023, L'Amérique Empire, et c'est en vente bien évidemment sur la boutique de TVL sur le site tvl.fr. Merci Nicolas Mirkovic. Merci beaucoup.